الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, le cours portait sur ce qui était interdit à faire pour les proches du défunt. On avait dit que la première chose qui était interdite, c'était ce que les savants appellent النياحة, qui signifie le répentement. Non. Le répentement, accent. De pleurer en exagérant, rien n'est de se lamenter en émettant un bruit, on avait dit, qui était semblable à au bruit de quel animal? Du pigeon. On avait cité un hadith du prophète sallam à ce sujet. Qu'est-ce que le prophète sallam a dit concernant la femme qui se lamente, qui pleure et qui dépasse ses limites dans ses pleurs en criant, en se lamentant? Quel est le châtiment qui lui sera réservé le jour du jugement? Elle sera vêtue d'un habit de goudron. Elle sera vêtue d'un habit de goudron. Et elle aura ce qu'on appelle une maladie qui recouvrira tout son corps, la gale. Et elle sera aussi, son corps sera aussi recouvert de la maladie de la gale, qui touche la peau. Qu'Allah nous en préserve. Et on avait dit que ce jugement n'était pas propre à la femme, mais qu'il était valable également pour l'homme, et que le prophète Hassan a cité la femme, car ce sont elles qui sont le plus souvent amenées à faire ce genre de désobéissance. Ensuite, on avait dit qu'il était aussi interdit pour les proches du défunt, lorsque l'annonce de la mort leur est parvenue, d'invoquer contre soi. C'est-à-dire qu'en disant maudit soit, en faisant des invocations qui sont contraires. Non, Ahsant, de. Il est interdit de se lamenter, de invoquer contre sa personne, de demander, de se souhaiter le malheur ou de se souhaiter l'enfer, tout ceci est interdit. Il y a d'autres faits qui sont interdits également, qui sont de se frapper les joues et de déchirer ses vêtements. Se frapper les joues, darbul khudud wa shaqqul junub, et de déchirer ses vêtements. Ceci est interdit. Le prophète Hassan a dit, ne fait pas partie de nous celui qui se frappe les joues et celui qui se déchire les vêtements. Et aussi, il y a deux autres choses qui sont interdites à faire. Se tirer les cheveux, s'arracher les cheveux, Ahsan. De se les tirer, de se les arracher, de se les raser, et également de les défaire surtout pour les femmes, de les mettre en désordre. Ceci est interdit également, car le prophète sallam l'a interdit, interdisait cela et prenait cela comme un pacte d'allégeance lorsque des femmes venaient lui porter pacte d'allégeance au prophète sallam. Parmi les choses qu'il leur demandait, de ne pas se griffer les joues et de ne pas défaire et démêler leurs cheveux. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui est obligatoire à faire vis-à-vis du mort. Il y a quatre choses qui sont obligatoires à faire vis-à-vis du mort, qui sont de fermer les yeux, de couper. Non, qui sont obligatoires à faire.
De le laver. De lui mettre son linceul. De prier pour lui. De prier sur lui. Et de l'enterrer. Ce sont les quatre choses, que l'on doit faire pour une personne qui décède. Et donc hier, on a traité, la semaine dernière plutôt, on a traité du premier point, c'est-à-dire la toilette mortuaire, le fait de laver. On avait dit que cela était, quel est le jugement de laver un mort ? C'est obligatoire. Obligatoire pour chacun des musulmans ou lorsque une partie des musulmans s'en acquitte, les autres en sont exemptés. C'est pour tous les musulmans. C'est obligatoire pour tous les musulmans. C'est obligatoire pour tous les musulmans. C'est obligatoire lorsqu'une partie des musulmans s'en est acquittée. Non. Donc c'est un fard qui fait i. C'est une obligation pour la communauté. Et à partir du moment où une partie de la communauté s'en acquitte, les autres en sont exemptes. Quelle est la preuve ? Non ? C'est la personne qui était tombée de sa chamée. Naam, c'est le compagnon du prophète Naam. Et le prophète Hassan avait obligé de le laver, avait ordonné. Naam, Hassan. C'est le compagnon du prophète Hassan qui est décédé, qui est tombé de sa chamelle le jour de Arafah. Et le prophète Hassan a dit à ses compagnons Irsiluhu bima'in wasidr. Lavez-le avec de l'eau mélangée à du jujubier. Et le fait que le prophète Hassan ait dit à ses compagnons lavez-le, cela veut dire que lorsqu'une partie de la communauté s'en acquitte, les autres en sont exempts. Ensuite, on avait parlé de la description du lavage, de la toilette du mort. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Premièrement, qu'est-ce qu'il est ? Par quoi devons-nous commencer lorsque l'on lave un mort ? Non ? Non ? Non, pardon ? De commencer par la partie droite de son corps et de commencer par. Non. De laver les membres des ablutions qui sont nombreux de 4 et qui sont les pieds, le visage, et les pieds, les mains et la tête. On avait dit que la tête devait être essuyée ou lavée. Essuyée. Ensuite, donc ça c'est la chose par laquelle on doit commencer lorsqu'on lave un mort, de commencer à laver les parties de ses ablutions. Ensuite, de laver son corps entièrement, au minimum combien de fois ? Trois fois. Si le fait de le laver trois fois n'est pas suffisant, le laver alors cinq fois. Si ce n'est pas suffisant, sept fois, ainsi de suite, et le nombre doit être toujours impair, car le prophète Hassan a dit lorsque des femmes ont lavé sa fille Zainab radhiyallahu anha, le prophète Hassan a dit lavez-la trois fois, sinon cinq fois, sinon plus, si vous en voyez la nécessité. Le prophète Hassan est passé de 3 à 5. Donc les savants ont déduit que le nombre de lavage, le nombre de fois que doit être lavé le mort, doit être impair. Et de le laver avec de l'eau mélangée à du jujubier. De l'eau mélangée à du jujubier, où les savants ont dit, ou ce qui est similaire, c'est-à-dire comme tout produit nettoyant ou toutes sortes de savons. Et si tu n'as pas de jujubier, alors lave-le avec de l'eau mélangée à du savon ou mélangée à du gel douche. Il y a quelque chose de moussant, quelque chose qui permet de laver le mort convenablement. Et durant le dernier lavage, de mélanger l'eau à du camphre. De mélanger l'eau à du camphre. Et si camphre il n'y a pas, de mélanger l'eau à du parfum. Car le but du dernier lavage, c'est de parfumer le mort. Donc on avait cité la semaine dernière à peu près une description du lavage d'un mort. Donc on avait dit qu'il faut commencer par laver les membres de ses ablutions, ensuite de le laver au minimum trois fois en mélangeant de l'eau et du jujubier ou de l'eau avec du savon, de commencer par sa partie droite puis sa partie gauche. Et on avait dit que il y avait certaines choses à faire
qui n'ont pas été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais qui sont nécessaires à connaître. On avait dit qu'il fallait tout d'abord vider ce que contient l'estomac du défunt, et ceci en soulevant sa tête de telle sorte à le mettre de position presque assise et de macérer délicatement son ventre afin que ce qui réside en sorte, puis nettoyer avec un gant les parties intimes du mort, les parties intimes qui ne doivent jamais être découvertes ou au pire des cas elles ne doivent pas être vues. Si elles doivent être découvertes, si il est nécessaire de les découvrir, alors de ne pas les regarder. Donc de nettoyer avec un gant autant de fois que nécessaire, et ensuite de changer de gant et de laver le mort et aller trois fois, en commençant par la partie droite de son corps puis la partie gauche. Et on avait dit qu'il était aussi demandé de lui tailler la moustache si besoin il y a, et de nettoyer ses aisselles si besoin il y a, de couper ses ongles si besoin il y a, et certains savants disent même qu'il est demandé de coiffer le défunt si besoin il y a. Et concernant la femme, quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant aux cheveux de la défunte? De faire trois nattes, deux de chaque côté et une derrière, puis ensuite de les rassembler et de mettre ces trois nattes derrière la défunte. Et si besoin il y a aussi, c'est de mettre du coton dans les narines du défunt et dans ses orifices pour protéger son linceul de toute impureté, et du sang qui pourrait sortir de ses narines ou de sa bouche, ou autre chose qui pourrait sortir de ses deux orifices. Donc si besoin il y a, et ici l'écoulement est continuel, il ne s'arrête pas, alors de boucher les orifices avec du coton. Et une fois avoir lavé le mort, et que sort quelque chose de ses orifices, que devons-nous faire? Le relaver. On doit le relaver, ou uniquement nettoyer la partie impure et éventuellement la recouvrir d'un bout de tissu ou d'une serviette ou de coton? Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que il n'y a pas besoin de le relaver, que le mort lorsqu'il était lavé et que par la suite quelque chose sort, il suffit uniquement de nettoyer cette partie et de la boucher, et ensuite de lui mettre son linceul, et nul besoin de le relaver. طيب يقول المؤلف من يتولى الغسل. Donc là, l'auteur parle du chapitre de qui mérite le plus de laver le mort. Yatawalla ghusl al-mayyit man kana a'rafa bi sunnati al-ghusl la siyama idha kana min ahlihi wa aqaribihi li'anna alladhina tawallaw ghuslahu sallallahu alayhi wa sallam kanu min ahlihi. Donc l'auteur dit: procède à la toilette du mort celui qui connaît le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de toilette, et d'autant plus si cette personne qui connaît le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de toilette mortuaire, d'autant plus si cette personne fait partie de ses proches et de sa famille, car ceux qui ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie de sa famille. عن علي قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه في سننه. La preuve est le hadith de Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه qui dit: j'ai lavé le prophète صلى الله عليه وسلم et je le regardais
pour voir ce qui apparaît d'un mort et je n'ai rien vu. وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon et beau, vivant et mort, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Donc dans ce hadith, qui a lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ali ibn Abi Talib, qui est son gendre et son cousin. Ali radiallahu anhu est à la fois le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est aussi son gendre. Et Ali radiallahu anhu a dit: j'ai regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir ce qui apparaît des personnes défuntes. Car en général, lorsqu'une personne décède, son visage change, sa couleur change, et il est même amené des fois, son corps est amené à enfler et à grossir en volume. Et Ali radiallahu anhu, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu la dépouille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: falam ara shay'an. Je n'ai pas vu de différence. On n'aurait pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, puis il a dit: وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bon. Il était beau à voir qu'il soit vivant ou mort, sallallahu alayhi wa sallam. وَيَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّ غُسْلَ الذَّكَرِ الرِّجَالِ وَالْأُنْثَ النِّسَاءِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَانِ فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. عن عائشة قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. Et il est obligatoire que des hommes procèdent à la toilette des hommes et que les femmes procèdent à la toilette des femmes. Et il y a une exception à cela qui concerne les époux. Il est autorisé à chacun d'entre eux de laver l'autre. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, où elle dit: si j'avais la possibilité de revenir en arrière, n'aurais lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses épouses. S'il y avait possibilité de retourner en arrière et de changer la décision déjà prise, n'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes. وعنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Une autre preuve qu'il est autorisé aux époux, à l'un des époux, de procéder à la toilette mortuaire de l'autre, c'est le hadith de Aïcha également, lorsqu'elle dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu d'une prière funéraire et d'une funéraille qui a eu lieu dans le cimetière appelé Al-Baqiya, le cimetière de Médine, où sont enterrés beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se situe à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radhiyallahu anha a dit: et j'avais un mal de tête insupportable et je disais: ô ma tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est plutôt à moi de dire ô ma tête. Ma darraki, il n'y aura pas de mal, il n'y a pas de mal. Si tu mourrais avant moi, que je te lave, puis que je te mette dans ton linceul, puis que je prie sur toi et que je t'enterre. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et a enterré un mort dans le cimetière Al-Baqir, puis est rentré chez lui et a vu Aïcha radhiyallahu anha qui s'est plaint d'un mal de tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: c'est plutôt à moi de me plaindre du mal de tête. Et les savants ont dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ainsi car Aïcha radhiyallahu anha avait un mal de tête qui était passager.
Son mal de tête allait passer et elle allait connaître par la suite la guérison. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mal de tête qu'il avait, il était suite à la maladie qui a précédé sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et il se plaignait du mal de tête et a dit à Aïcha, c'est plutôt à moi de me plaindre du mal de tête. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé à celui qui est malade et qui souffre et qui éprouve de la douleur, il lui est autorisé de se plaindre et de le montrer et de le dire, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, il n'y a pas de mal, si tu mourrais avant moi, que je te lave, que je te mette dans ton linceul, puis que je prie sur toi et que je t'enterre. Donc il y a dans ce hadith une preuve évidente qu'il est autorisé au mari de laver sa femme comme il est autorisé à la femme de laver son mari. تنبيه لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. Une remarque de l'auteur qui dit, il n'est pas légiféré de laver le martyr qui est mort au combat. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. حديث صحيح رواه البخاري وابو داود والنسائي والترمذي. Selon Jabir, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, enterrez-le avec leur sang, c'est-à-dire le jour de Uhud, walam yurassilhum, et il ne les a pas lavés. Autrement dit, les compagnons radiallahu anhum, qui sont décédés lors de la bataille de Uhud, et ils étaient nombreux, il y a eu beaucoup de pertes du côté des musulmans. Vous en connaissez tous la raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons radhiyallahu anhum d'enterrer les martyrs avec leur sang. D'enterrer leurs martyrs avec leur sang et de ne pas les laver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas lavés. Walam yurassilhum. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué qu'ils seront ressuscités le jour du jugement avec leur sang qui coulera de leur corps, et l'odeur de ce sang sera plus agréable et plus douce que l'odeur du musc. Et le martyr, c'est celui qui est mort au combat et celui qui a combattu pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Celui qui combat pour une terre, celui qui combat pour une doctrine ou autre, et qu'il meurt au combat, il n'est pas considéré comme étant martyr. Celui qui est considéré comme étant martyr, c'est celui qui a combattu et qui est mort au combat et qui a combattu pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et l'auteur n'a pas cité un autre point. Est-il autorisé de laver un martyr mort au combat lorsqu'il est mort en état de grande, grande impureté? Celui qui meurt au combat en état de grande impureté, est-ce qu'il est légiféré de le laver ou non? Est-ce que c'est un cas spécifique, ou même s'il est en état de janaba, on ne doit pas le laver? Qui connaît la réponse? Hein? Tous ceux qui étaient morts à la bataille de Uhud, ça se trouve, il y en avait qui n'avaient pas. Qu'ils étaient en état de mort. Mais ça se trouve, c'est pas une preuve. Et tous ceux qui sont morts dans la bataille de Uhud, ça se trouve, il est possible qu'il y ait des personnes qui étaient en état de janaba. Il est possible, c'est pas une preuve. Soit il y en avait et qu'on a la preuve, ou soit il n'y en avait pas. Non, c'est pas le hadith où il y a un sahabi qui était en état de janaba, il a été lavé par un sahaba, il est mort. Il n'a pas été lavé justement. Non. Il n'a pas été lavé. Les savants disent que celui qui meurt au combat, même s'il est en état de janaba et qu'on en a la preuve formelle, on ne doit pas le laver. Car cela est arrivé deux fois, le jour de Uhud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'un des compagnons radiallahu anhu était lavé par les anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'aller demander, d'aller questionner sa femme. Et elle leur a répondu que
qu'il était sorti au combat alors qu'il était en état de grande impureté. Et le prophète a dit, c'est pour cela que les anges l'ont lavé. Et de même pour Hamza radiallahu an, l'oncle du prophète, et Hamzala ibn Rahib, les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les anges les laver. Taïf. Et il est préférable, donc là l'auteur n'en a pas parlé, on avait parlé dans les lavages, les grands lavages surérogatoires, on avait vu qu'il était préférable et recommandé à la personne qui lave un mort de faire al-rusul. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rassala mayitan fa liartasil » que celui qui lave un mort, qui se lave ?« Man rassala mayitan fa liartasil » Et on avait vu que, on connaît la règle, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne quelque chose, elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rassala mayitan fa liartasil » Celui qui lave un mort, qu'il se lave. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith ? Hein ? Que c'est obligatoire de se laver. Mais on avait vu dans les cours précédents que de se laver après avoir lavé un mort, cela était préférable. Quelle est la preuve que ce n'est pas obligatoire, mais uniquement préférable ? Vous avez oublié ? Non ? Quel hadith précédent ? Ça prouve l'ordre, l'obligation. On avait vu dans les cours précédents que de laver un mort pour celui qui de se laver après avoir lavé un mort, cela était préférable. Quelle est la preuve que ce n'est pas obligatoire mais préférable ? C'est sûrement que le prophète ne l'a pas fait. Non ? Il y a un autre hadith qui nous prouve cela. Il avait dit, je crois, un compagnon qui ne peut pas se laver. Le professeur Sam a dit Laysa ala man ghassala mayitan. Le professeur Sam a dit que celui qui lave, qui n'a pas besoin de se laver, celui qui a lavé le mort, qu'il se contente de se laver les mains. Et le professeur Sam a donné l'explication Fa inna mayitakum laysa binajis. Car vos morts ne sont pas des impurs. Et les savants ont déduit de ce hadith que le professeur Sam a dit que le minimum était de se laver les mains. Et il n'a pas parlé dans ce hadith de se laver et de faire le grand lavage. Et il y a une autre preuve, le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui dit Kunna narsilu al-amwat, fa minna man yartasil, wa minna man la yartasil. La parole de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous lavions les morts, et parmi nous, des personnes se lavaient, c'est-à-dire par la suite, et d'autres ne se lavez pas. Taïb. Saniyan al-kafan. Donc là, c'était tout ce qui concernait la toilette mortuaire. Non. Mais faut-il avoir le dos pour laver le mort ou, Non. Non. Ce n'est pas une condition d'avoir les ablutions pour laver un mort. Non. Saniyan al-kafan. Deuxièmement, le linceul. Deuxièmement, c'est-à-dire la deuxième chose que l'on doit faire obligatoirement vis-à-vis du défunt. Wal kafanu wal kaftu ma'nan wahid. Et al kafan ou bien al kaftu en arabe signifie la même chose et il signifie le fait de recouvrir. Le fait de recouvrir. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وجعل الأرض كفاة dans sourate al-insan وجعل الأرض كفاة que la terre rassemble وجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا que la terre rassemble que ce soit les morts comme les vivants et les savants ont dit qu'elle rassemble les vivants à sa surface et qu'elle rassemble les morts sous terre. Et le terme kaft signifie recouvrir et c'est un synonyme de kafan.
Donc, le linceul en arabe, al-kafan, signifie le fait de recouvrir. Et il est appelé ainsi car il recouvre le mort. ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. Et le linceul est une obligation. La preuve de cela est l'ordre qu'a donné le prophète صلى الله عليه وسلم dans le hadith de l'homme qui est tombé de sa chamelle. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à ses compagnons اغسلوه بماء وسدر, lavez-le avec de l'eau mélangé à du jujubier, et mettez-le ou prenez ses deux vêtements, c'est-à-dire son izar et son lida, comme linceul. وَالْكَفَنُ أَوْ ثَمَنُهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ. Et le linceul, ou bien l'argent avec lequel le linceul est acheté, doit être pris de l'argent du défunt. وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ. Même s'il ne laisse que ça. Supposons que le mort ne laisse que 5 euros. Eh bien, tu dois utiliser ces 5 euros-là pour acheter son linceul. Le linceul doit être acheté de l'argent du défunt ou bien de ses biens. Si il a des choses qu'il possède qui font guise de linceul, eh bien, de les prendre. Les hadiths de Khabbab ibn al-Arif ibn al-Arat, qala hajarna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naltamisu wajha Allah, fa waqa'a ajruna 'ala Allah, fa minna man mata lam ya'kul min ajrihi shay'a, fa minhum Mus'ab ibn 'Umayr, wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجله خرجت رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإدخر. حديث متفق عليه. La preuve que le linceul doit être pris des choses possédées par le défunt, c'est tout d'abord le premier hadith où le prophète sallam a dit wa kaffinuhu fi thawbay. Lorsque l'homme est tombé le compagnon du prophète sallam est tombé de sa chamelle, le prophète sallam a dit prenez ces deux vêtements. Il a dit ces deux vêtements fi thawbay. Prenez ces deux vêtements comme linceul. Il y a une autre preuve, c'est le hadith de Khabbab ibn al-Arat qui dit nous avons émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne voulant dans cela que la face d'Allah. فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ رحمك الله. فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ. Et notre récompense a eu lieu. La récompense, autrement dit, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis a eu lieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Khabab ibn al-Arat ici fait allusion au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit son sens, et celui qui émigre dans le sentier d'Allah, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا. Il trouvera sur terre beaucoup de refuges. وَسَعَهُ. Et une abondance dans les biens de cette vie d'ici-bas. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui suit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et celui qui sort de chez lui en émigrant pour Allah et pour son prophète وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ. Puis que la mort l'atteint, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Alors, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala lui sera accordée. C'est-à-dire, الْمَغْفِرَ وَالْجَنَّةِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans un autre verset, وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا.
Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux compagnons radhiyallahu anhum des butins multiples et de grandes quantités pour ceux qui ont émigré, que par la suite, après leur émigration, il y aura des batailles et des batailles qui seront fructueuses en matière de butin. Et Khabbab ibn al-Arat a dit « Fawaqa ajrun ala Allah » et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a été tenue, car Allah subhanahu wa ta'ala tient toujours ses promesses. « Faminna man mata lam ya'kul min ajrihi shay'a » mais il y avait parmi nous, c'est-à-dire parmi ceux qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui sont mortes sans qu'il n'ait pu jouir des récompenses ou de son butin. فَمِنْهُمْ مُصْعَبْ ibn Umayr. Parmi eux, Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, qui était un jeune aisé, un jeune gâté par ses parents, radiyallahu anhu, lorsqu'il était à la Mecque. Et les savants disent qu'il était tellement gâté qu'il changeait de manteau tous les jours. Et Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, lorsqu'il marchait dans la rue, on savait qu'il passait par là à l'odeur de son parfum. C'était un jeune qui avait des parents riches, des parents qui prenaient soin de lui, qui le gâtaient, qui lui offraient tout ce qu'il voulait. Mais cela n'a pas empêché Mus'ab ibn Umayr d'abandonner tout cela et de se convertir à l'islam et plus d'émigrer avec le prophète à Médine. Et après sa conversion, ses parents l'ont renié, ils lui ont coupé les ponts, lui ont enlevé et repris tous les biens qu'il lui avait donné et offert, mais cela ne l'a pas empêché de sortir et d'émigrer avec le prophète sallam vers Médine. Wa minna, donc Khabbab ibn al-Arat dit, wa minna man aynat lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha. Et parmi nous, il y avait des personnes dont les fruits du butin sont arrivés à maturité et qu'ils récoltaient en toute tranquillité. Autrement dit, et parmi les compagnons du prophète sallam, des compagnons qui ont, grâce au butin, acquéri des biens immenses. Qutila yawma Uhudin falam najid ma nakfilo. Et Khabbab ibn al-Arat dit, il a été tué le jour de Uhud, en parlant de Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu. Et nous n'avons trouvé comme linceul pour lui que son manteau. Lorsque l'on recouvrait sa tête, ses pieds étaient découverts, et lorsque l'on couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de lui couvrir le visage et de mettre sur ses pieds de l'herbe appelée al-idkhir en arabe. C'est une sorte d'herbe avec des grandes tiges raides qui ont une odeur agréable. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه من الإدخر كما في حديث خباب. Dans ce hadith de Khabbab ibn al-Arith, on en déduit tout d'abord que le linceul doit émaner du mort, soit que c'est sa propriété, ou bien que le linceul doit être acheté de son argent. Car quel était le linceul de Mus'ab ibn Umayr? C'était son manteau. Et on en déduit de ce hadith également qu'il est autorisé d'utiliser des vêtements comme linceul. Car le manteau est un vêtement. De même qu'on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé d'utiliser comme linceul ne serait-ce au minimum qu'un seul vêtement.
que d'utiliser trois étoffes ou trois vêtements n'est pas obligatoire, c'est ce qu'il y a de mieux, de préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'utiliser au moins un vêtement. Et on en déduit aussi de ce hadith qu'il est obligatoire que le linceul recouvre la totalité du corps. Car le manteau de Moussa ibn Umayr, lorsque sa tête était découverte, ses pieds étaient découverts, et lorsque ses pieds étaient couverts, sa tête était découverte, le prophète sallam a ordonné de couvrir sa tête. Et est-ce qu'il leur a dit laisser les pieds découverts? Non, il leur a ordonné de les couvrir avec de l'herbe qui a une bonne odeur. Et les savants ont déduit que le prophète sallam, s'il a ordonné qu'on couvre ses pieds, c'est que le linceul doit obligatoirement recouvrir l'ensemble du corps du défunt. Et donc c'est ce que l'auteur a dit, et ce qui est obligatoire concernant le linceul, c'est que ce soit un vêtement qui recouvre l'ensemble du corps. Et si on ne trouve qu'un vêtement court qui ne suffit pas à recouvrir l'ensemble du corps, alors que soit recouvert la tête, et de mettre sur les pieds al-idkhir, qui est, comme je vous ai dit, appelé en français le jonc. C'est des herbes grandes et rigides qui sont parfumées, ou les savants disent, ou tout autre feuillage, comme cela a été cité dans le hadith de Khabbab ibn al-Arat. وَيُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ أُمُورٍ. Et il est préférable, concernant le linceul, de faire plusieurs choses. أولاً البياض لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها حديث صحيح رواه الترمذي وابو داود. Premièrement, ce qui est préférable et recommandé en matière de linceul, c'est qu'il soit de couleur blanche. La preuve est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit: portez des vêtements de couleur blanche, car ce sont les meilleurs des vêtements, وَكَفِّنُوا فِيهَا, et utilisez-les, c'est-à-dire ces vêtements de couleur blanche, utilisez-les comme linceul. ثانياً كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة حديث متفق عليه. Deuxièmement, que le linceul soit composé de trois étoffes, de trois bouts de tissu, de trois grandes étoffes de tissu. Les hadiths d'Aïcha, la preuve c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis dans son linceul composé de trois étoffes de tissu yéménite de couleur blanche, sahouliya, cela signifie que ces étoffes de couleur blanche provenaient d'une région au Yémen appelée Sahoul. Min Korsouf. Et ce tissu était composé, ou essentiellement était du coton. Min Korsouf, c'est-à-dire Ay min Qatin. Laysa fiha qamisun wala imama. Il n'y avait ni qamis ni imama. Al-qamis, c'est le vêtement qui a deux manches. En arabe, le qamis, c'est le vêtement qui comporte deux manches, et l'imama, c'est le vêtement qui recouvre la tête. Malbous ou ras. Donc le prophète sallam a été mis dans son linceul, et il a été ceux qui ont mis le linceul du prophète sallam sont Ali radiallahu anhu et Ibn Abbas radiallahu anhu.
sont les deux compagnons qui ont mis le linceul au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un linceul composé de trois grands bouts de tissu blanc en coton et qui ne comportait ni qamis ni imama. Et on en déduit de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on avait vu durant la toilette mortuaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été lavé. Il a été lavé par Ali et d'autres compagnons, mais il a été lavé dans ses vêtements. Et dans ce hadith, les compagnons de Anhum lui ont mis son linceul sans qu'il n'y ait ni de qamis ni de imama. Et on a vu dans le hadith qui décrit le lavage ou la toilette mortuaire qui a été faite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons de Anhum versaient de l'eau sur le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on en déduit de ce hadith que le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été retiré. طيب ثالثا أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة حديث صحيح رواه ابن ماجه أو أبو داود في سننه والحديث في صحيح الجامع. Troisièmement, qu'une partie de ces trois étoffes comporte des rayures. ثوب حبرة, on avait vu dans les cours précédents que c'est un vêtement comportant des traits et des rayures. Si cela est possible, la preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous meurt, qu'il prenne comme linceul un vêtement comportant des rayures. Fi thawbin hibara. Et concernant la façon de mettre le linceul au défunt, c'est de prendre trois grands bouts de tissu blanc et de les poser les uns sur les autres, puis de mettre le défunt dessus et de recouvrir, de prendre la première étoffe, de recouvrir sa partie droite, de prendre l'autre côté et de la repasser afin de couvrir la partie gauche, puis de repasser l'autre côté sur la partie droite, et ainsi de suite pour les trois étoffes. Et si surplus il y a, les savants disent, comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, que le surplus doit être focalisé au niveau de la tête. Si surplus il y a, il faut faire en sorte que le surplus soit présent au niveau de la tête. Surplus de tissu. Si surplus de tissu il y a, il faut qu'il soit au niveau de la tête. Et ensuite, d'attacher le linceul au niveau des pieds, au niveau de la moitié du corps et au niveau de la tête ou au niveau des épaules, pour ne pas que le linceul se défasse, et de défaire les nœuds avant d'enterrer le défunt. Les nœuds, il faut les défaire avant d'enterrer le défunt. Et il est aussi préférable de parfumer le linceul trois fois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque vous parfumez le défunt, parfumez-le trois fois. Et ce jugement est valable pour l'homme comme pour la femme. La femme, elle aussi, doit lui mettre un linceul composé de trois étoffes de tissu blanc. Et le hadith qui stipule que une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam le linceul qu'on lui a mis était composé de 5 étoffes, le hadith est faible. Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani rahimahullah, l'a rendu faible
Et c'est le seul hadith qu'utilisent certains savants pour dire que la femme, on doit lui mettre 5 étoffes de tissu et non 3 comme l'homme. Le hadith étant faible, il ne doit pas être pris en considération. Et la règle que vous connaissez tous, c'est tout ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme jusqu'à la preuve du contraire. Il est également aussi autorisé d'utiliser un linceul pour plusieurs défunts. D'utiliser un linceul pour plusieurs défunts, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Uhud. Durant la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrait plusieurs personnes, deux hommes, voire trois hommes, dans la même tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait précéder vers la Qibla lequel ou quelle catégorie de personnes? Ceux qui connaissaient plus le Coran. Ceux qui connaissaient le plus le Coran, ceux qui connaissent le plus le Coran sont ceux qui doivent être rentrés en premier dans la tombe. Et dans le hadith, il a été cité que qu'un tissu, qu'on utilisait un tissu pour deux ou trois défunts. Et certains savants ont compris de ce hadith que pour un seul tissu, on met trois défunts et on les recouvre de ce même tissu. Mais cela n'est pas une compréhension véridique. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, il ne faut pas comprendre de ce hadith qu'on prend un bout de tissu et qu'on recouvre trois morts. Mais ce qu'il faut comprendre du hadith, c'est qu'on prend un tissu, une étoffe, et qu'on la coupe en trois. Qu'on la divise en trois, et qu'on recouvre chacun des morts avec ce bout de tissu, même s'il ne recouvre pas la totalité du corps, car là c'est un cas de force majeure. Car là c'est un cas de force majeure, lorsqu'il y a beaucoup de morts, et qu'il y a peu de vêtements et peu de tissus, alors il faut prendre un tissu pour deux ou trois défunts. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, avant d'enterrer, qui connaissait le mieux le Coran. Et si les compagnons de l'anhum étaient, si deux, trois hommes étaient recouverts d'une même étoffe, cela voudrait dire que, en arrivant au moment de les enterrer, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait qui connaît le mieux le Coran et qu'on disait c'était un tel, si cette personne était au milieu, il aurait fallu redéfaire le linceul, le ressortir et le rentrer dans sa tombe. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qui connaissait le mieux le Coran avant d'enterrer. Il ne disait pas qui connaissait le Coran avant de mettre le linceul. Cela prouve que chaque défunt avait son linceul même s'il ne recouvrait pas la totalité de son corps, mais chacun avait son linceul car le professeur Salam demandait juste avant d'enterrer le mort qui connaissait le mieux le Coran. Vous avez saisi ou pas? C'est clair? Pour en revenir au nom, c'est une obligation ou c'est préférable? Non, ça c'est préférable. Et même ça, il n'y a pas de preuve dans la sunna du professeur Salam concernant le fait des nœuds. Mais cela, c'est une nécessité parce que sinon, le linceul risquerait de se défaire, surtout si on porte le défunt et que le trajet est long, ça risquerait de défaire le linceul et que la nudité du mort, du défunt, puisse être visible. As-salatu ala al-janaza. Donc là, on avait vu la première obligation qui est le lavage, la toilette mortuaire. La seconde obligation vis-à-vis du défunt, c'est le linceul. Et la troisième, c'est as-salatu ala al-janaza, c'est la prière sur le défunt. As-salatu ala al-mayyit al-muslim fardu kifaya li'amrihi sallallahu alayhi wa sallam biha fi ahadith. La prière sur le défunt musulman est une obligation appelée fardu kifaya, qui signifie, quelle est la définition de al-fardu kifaya? Lorsqu'une partie de la communauté le fait, les autres en sont dispensés.
لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث. Et elle est obligatoire car le prophète صلى الله عليه وسلم l'a ordonné dans beaucoup de hadiths. منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي. Donc la preuve que de prier sur le mort est un fard kifa'i, c'est une obligation lorsqu'elle est faite par une partie des musulmans, les autres en sont dispensés et exempts, c'est le hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani, qui dit qu'un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé durant la bataille de Khaybar. Ils ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce défunt, de ce compagnon radhiyallahu anhu qui est décédé. Faqala sallu ala sahibikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit priez sur votre compagnon. Fataghayyarat wujuhun nas li dhalik. Et les gens n'ont pas compris cela. Et leurs visages se sont crispés et ont changé. Ils étaient étonnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise priez sur votre compagnon. Autrement dit, vous priez sur lui, mais moi je ne prierai pas sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les visages de ses compagnons changer, étonné, ne comprenant pas la situation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il refuse de prier sur une personne, c'est qu'il a, il a fait quelque chose de très grave. C'est qu'il a fait quelque chose de très grave qui justifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstienne de prier sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna sahibakum ghalla fi sabilillah » Votre compagnon a fait ce que les savants appellent « al-ghaloul » dans le sentier d'Allah. Et « al-ghaloul » c'est le fait de prendre ou de voler du butin. Car le butin doit être déposé. Yani, lors du combat, si un musulman récupère yani, des biens ou autres de l'ennemi, il doit le déposer, le donner au gouverneur. Ce n'est pas sa propriété. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. Sachez que lorsque vous avez du butin, le cinquième appartient à qui? À Allah. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Et le butin, il y a un cinquième qui revient à Allah, à son envoyé, qui revient aux pauvres, aux nécessiteux, etc. Le butin doit être déposé et ensuite il est distribué et dispersé par le gouverneur et chacun des combattants prend sa part. Mais de voler du butin, de prendre le bien d'un ennemi et de le garder pour soi, cela fait partie des grands péchés en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُولُ. Il n'appartient pas à un prophète de faire al-ghaloul, c'est-à-dire de prendre le butin pour lui. وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et celui qui vole du butin, il sera ressuscité le jour du jugement avec ce bien qu'il aura volé. Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera devant l'ensemble de l'humanité, le jour du jugement, l'humiliera et le fera ressusciter avec la chose qu'il aura volée. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur ce compagnon car il avait volé du butin. فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُودِ. Et les compagnons radiallahu anhum ont fouillé ce compagnon radiallahu anhum qui est décédé et ils ont vu des bijoux et des perles qui appartenaient aux juifs, car les
les habitants de Khaybar, la plupart étaient des juifs. Et les compagnons ont dit, « La yusawi dirhamayn », ce qu'il a volé ne valait presque rien. Il valait 2 dirhams. Mais malgré cela, le professeur Hassan n'a pas prié sur lui. Malgré qu'il ait volé ne serait-ce qu'une petite quantité, à partir du moment où il a volé du butin, c'est un grand péché qui a justifié que le professeur Hassan ne prie pas sur lui. Donc on en déduit de ce hadith que de prier sur le mort, lorsqu'une partie des musulmans s'en acquitte, les autres en sont dispens. Car le professeur Hassan n'a pas prié sur ce compagnon, mais a ordonné à ses compagnons de le faire. Et les savants ont dit que le fait de s'abstenir dans des cas comme celui-ci, ou dans des cas comme lorsque la personne se suicide, car on a apporté un mort qui s'est suicidé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, falam yusalli alayhi, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur lui, car il s'est suicidé. Mais ses compagnons ont prié sur lui. Et les savants ont dit, dans des cas comme celui-ci, comme celui qui vole du butin, ou comme celui qui se suicide, des personnes qui ont de l'influence, des personnes qui sont respectées, et des personnes qui, lorsqu'elles s'abstiennent de prier, cela fait peur aux gens, cela les fait réfléchir, cela une sorte de réprimande, eh bien alors qu'ils le fassent, qu'ils ne prient pas sur ce défunt. ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. Il y a un cas spécifique concernant 2 types de personnes sur lesquelles il n'est pas obligatoire de prier. الأول الطفل الذي لم يبلغ. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن الاسناد رواه ابو داود. La première catégorie de personnes sur qui il n'est pas obligatoire de prier sont les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit: Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé à l'âge de 18 mois. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et le prophète sallam n'a pas prié sur lui. الثاني الشهيد عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم. La deuxième catégorie de personnes sur qui il n'est pas obligatoire de prier sont les martyrs. La preuve est le hadith de Anas qui dit que les martyrs de Uhud n'ont pas été lavés. Ils ont été enterrés avec leur sang et il n'a pas été prié sur eux. La prière mortuaire n'a pas été faite sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié sur eux. Hadithun jugé bon, rapporté par Abu Daoud. Lakin adam al-wujub la ينفي مشروعية الصلاة عليهما. Mais l'auteur dit, mais le fait qu'il n'est pas obligatoire de prier sur eux, cela ne signifie pas qu'il n'est pas légiféré de prier sur eux. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté ou les martyrs, ce n'est pas une obligation de prier sur eux, mais il est autorisé de prier sur eux. Le fait que ce ne soit pas une obligation ne veut pas dire que c'est une interdiction. La preuve, عن عائشة قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. حديث صحيح رواه النسائي. Selon Aïcha رضي الله عنها, elle dit, nous avons apporté, ou il a été apporté au prophète صلى الله عليه وسلم, un enfant parmi les enfants de l'Ansar. Il a prié sur lui. وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات
ثم أوتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. Et la deuxième preuve, qu'il est autorisé de prier sur, donc la première, qu'il est autorisé de prier sur les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Et le second hadith qui prouve qu'il est autorisé de prier sur les martyrs, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zubayr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le jour de Uhud qu'on lui apporte Hamza, son oncle, radiallahu anhu, fa sujia bi burda. Sujia bi burda, c'est-à-dire que son linceul était un manteau. Thumma sulli alayhi fa kabbara tis'a takbirat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui, a prié sur Hamza radiallahu anhu, et a fait combien de takbir durant cette prière? 9 takbir. C'est le nombre maximum de takbir rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière du mort. ثم أوتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. Et puis les martyrs de Uhud ont été apportés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rang, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sur eux. Isnad ou Hassan, jugé bon par Cheikh l'Albani رحمه الله تعالى. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي والنسائي. Et plus le nombre de personnes est grand et plus cela est meilleur et plus bénéfique pour le mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout mort sur qui prie une communauté de musulmans qui atteignent le nombre de 100, tous demandent ou intercèdent en sa faveur sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur intercession sur lui. Tout mort sur qui prie une communauté de musulmans qui sont au nombre de 100, tous intercédant pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur intercession en sa faveur. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam ma min rajulin muslimin yamut fayaqum ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahum Allahu fihi. Hadith sahih rawahu Muslim wa Abu Daud wa Majah. Et un autre hadith, c'est le hadith du professeur Hassan lorsqu'il dit: lorsqu'un homme musulman meurt et que prie sur lui 40 hommes qui n'associent personne, n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'accepte leur intercession en sa faveur, c'est-à-dire en la faveur du défunt. وَيُسْتَحَبُّ أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا. Et il est préférable de faire 3 rangs derrière l'imam, même si les gens sont en petite quantité. نعم تفضل. عن مثرد اليزني عن مالك ابن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. يسأل مالك بن هبيرة الجي le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un mort décède et que prie sur lui 3 rangs parmi les musulmans sans qu'il ne soit obligé sur lui, illa awjab, c'est-à-dire sans que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on lui pardonne et qu'on le fasse entrer au paradis, sans que ce soit une obligation pour ce défunt, yani qu'il soit pardonné et qu'il soit entré au paradis. فكان مالك, et le rapporteur du hadith, Malik radiallahu anhu, a dit plutôt: lorsque les gens qui priaient sur le mort étaient en petite quantité, il les séparait en 3 rangs.
il les séparait de telle sorte qu'ils fassent 3 rangs. Et le minimum d'un rang est de une personne, deux, trois, de 2 personnes, et le maximum c'est le maximum. Non. Comme le dit Al-Shawkani rahimahullah fi Nahj al-Awtar, il dit que le minimum pour un sauf c'est 2 hommes, et le maximum il n'a pas de limite. Et un sauf peut faire 1 million de personnes, il n'y a pas de souci pour ça. وإذا اجتمع الجنائز عديدة من الرجال والنساء فإن صلى على كل جنازة صلاة فهذا الأصل وإن صلى عليها جميعا صلاة واحدة جاز ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام والإناث مما يلي القبلة. Et lorsqu'il y a plusieurs personnes défuntes parmi les hommes ou des femmes, le fait de prier sur chacun des morts, c'est la base. Et ici, il y a possibilité de prier sur chacun de ces morts, c'est la base et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. S'il y a un groupe de 3 morts ou de 4 morts, le mieux, c'est de prier une prière pour chacun des défunts. 4 morts, 4 prières. Mais il est autorisé de faire une prière pour l'ensemble de ces morts. وَإِنْ صَلَّ عَلَيْهَا جَمِيعًا صَلَاةً وَحِدًا جَازٍ. Mais s'il prie sur eux ensemble, en ne faisant qu'une seule prière, cela est autorisé, et il faut respecter dans cela le fait de mettre les hommes devant l'imam directement, et les femmes au plus loin. Yani, faut que les femmes, les défunts parmi les femmes, soient le plus éloignés de l'imam. Et les hommes, le plus proche, yani que les hommes soient le plus proche de l'imam et que les femmes soient les plus proches de la qibla. Même si parmi les hommes il y a des enfants, à partir du moment où ce sont des enfants, des garçons, ils doivent être précédés, ils doivent être déposés juste devant l'imam et les femmes après eux. La preuve, عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة حديث صحيح رواه النسائي. Donc selon Nafi' et selon Ibn Omar, qu'Ibn Omar radiallahu anhu a prié sur 9 personnes décédées en une seule fois. فَجَعْلَ الْرِجَالُ يَلَوْنَ الْإِمَامُ وَالنِّسَى يَلِينَ الْقِبْلَةُ. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a mis les hommes devant l'imam et les femmes derrière les hommes vers la direction de la Qibla et a fait un seul rang. Puis a été déposée la dépouille de Umm Kalthoum bintu Ali, qui était la femme de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Sa dépouille ainsi que celle de son fils appelé Zayd a été déposée ensemble au même niveau. والإمام يومئذ سعيد بن العاص. Et l'imam à l'époque était Saïd ibn al-As. Et parmi les gens qui ont prié, il y avait Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Abu Saïd, et Al-Khudri, wa Abu Qatada. Et Abu Qatada, et l'enfant a été posé devant l'imam et sa mère vers la direction de la Qibla. فقال رجل,
فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ. Et un homme a contredit cela. Il a contredit le fait que l'enfant soit mis juste devant l'imam et que sa mère soit mise après. فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ. Donc c'est Ibn Umar radiallahu anhu qui parle. J'ai regardé Ibn Abbas et Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri et Abu Qatada et je leur ai dit, qu'est-ce que cela? Ils ont dit, hiya sunnah. Ils ont dit, ainsi est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que même lorsque le garçon est de bas âge et qu'il est accompagné de sa mère, il doit être déposé devant l'imam et sa mère juste après, le plus proche de la qibla. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك